Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play qui sera consacré à Resident Evil 8 ou Village si vous préférez. Mais moi je préfère l'appeler Resident Evil 8, ce sera plus simple. Même si son titre officiel c'est Village, mais bon, il y a 8 dans le titre. Mais bon, j'ai été très impatient de jouer à ce jeu, ça fait des mois et ça fait bientôt un an qu'il a été annoncé. Et plus les informations venaient, plus j'étais excité d'y jouer. Et donc c'est pour ça qu'on ne va pas perdre de temps, j'ai très envie de commencer la partie. Ça fait depuis hier soir que je ronge mon frein, ça fait même depuis des jours que je gratte au fond d'un placard pour espérer d'y jouer. Enfin bref, voilà, on va se lancer dans l'aventure et on va se mettre bien entendu en difficulté standard parce que... je vais pas jouer en difficile, pas tout de suite. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. C'est pas macabre du tout. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Ça va mal finir cette histoire. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. The creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as a wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Okay. Moralité de l'histoire, ne volez jamais sans la permission de deux. But more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink. Was trapped inside a mirror. Sympa comme histoire pour dormir. Elle va faire des cauchemars. What is with the creepy story? She's only 6 months old. The woman at the store said it was traditional. A local tale. Oui, je suis sûr que ça va pas nous servir dans l'histoire. Because she doesn't understand it. Thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. Okay. Being paranoid. It's not... Mais oui... Never mind. Attends, elle a oublié tout ce qui s'est passé dans Resident Evil 7? I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Ok, c'est bon. Ça va. Oh. Finish dinner. Ah, la vie de famille. Donc voilà, c'est Resident Evil 8. La vie de famille, voilà. C'est fini, les zombies, les créatures gluantes ou autre chose. Maintenant, voilà, nous sommes dans une simulation. Resident Evil 8, Village. Vivons notre vie de famille sans soucis, sans zombies, sans quoi que ce soit d'autre. Ça me rappelle Amnesia Rebirth. Et oui, ça va, allez, ça va. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Eh ouais. Eh ouais. Non mais quelle idée de raconter ce genre d'histoire à des enfants. Franchement, c'est... Déjà que les contes pour enfants style... Le petit chaperon rouge, etc. Comment s'appelle? Le petit poucet.
trouvais celle-là, je trouve ça maintenant un peu limite à raconter, un peu lugubre. Et du coup, cette histoire-là, je ne la raconterai jamais avec Ghost. Heureusement, c'est de la fiction. Elle n'existe pas, ce conte. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Ah ouais, donc ça veut dire qu'on va devoir te sauver des griffes de monstres, c'est ça? Ah là 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 là. Bon, visitons un peu pour voir s'il n'y a pas d'autres documents. D'autres choses à voir dès le début du jeu. Alors. Oh. Et bah dis donc. C'est ça, interagir. Fin de l'enquête sur l'incident de Dulveil. Investigateur sur les émanations de gaz toxiques survenues à Dulveil, Louisiane, en 2017, ont officiellement pris fin le 18 de ce mois. La commission en charge de l'enquête a conclu que le drame était dû à un brusque dégagement de gaz naturel accumulé dans les roches sédimentales du sous-sol. Rappelons que cet incident a fait plusieurs victimes, dont Jack Baker, 57 ans, et sa famille qui vivait dans les environs. Quant au Winter, qui semble-t-il était également présent sur les lieux au moment de l'incident, on ignore toujours où il se trouve à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités, qui estiment qu'il faudrait au moins 10 ans avant qu'elle redevienne habitable. Donc, ils se sont planqués. Attends, je vais encore augmenter la sensibilité de ma souris, c'est pas possible. Mais qui met des sensibilités de souris pareil? Putain de merde. Caméra. Hop, sensibilité de souris. 9. Voilà. Non, mais... Attends, est-ce que, à tout hasard, ma sensibilité de souris de mon PC est redevenue à... Parce que ça, à chaque fois que je redémarre mon PC, la sensibilité de ma souris revient à quelque chose de ridicule. Par exemple, ils le mettent à 4 alors que je le mets d'habitude à 15. Je comprends pas pourquoi mon PC le fait ça à chaque redémarrage. Est-elle bien? Okay? Sleeping like a... Well, like a baby. Bah, logique. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here. Military training, it all happened so fast, you know? Well, okay, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna seriously, be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Ah, comme ça. Mia, get down! Mia! Pourquoi elle est... What the fuck? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Mia. Oh god. Ouais. What the hell? Sorry, Ethan. No! What? Why? Capcom, t'as intérêt à me trouver une justification claire et précise et adéquate pour ça, parce que là, je, honnêtement... Go move! Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. Putain, il a bien changé de voix. Il y a une voix assez grave. Rose. Get him out. T'as intérêt à me fournir des explications claires et précises et convaincantes, Chris, parce que là, que tu agisses comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Hey Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about the next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. Hmm. That was the doc. She'll see us next week.
Hey now. Think positively, alright? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. Hey, quoi donc? I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Okay. Très bizarre. Mais je pense que on va développer cette histoire petit à petit. Ils vont pas nous donner les réponses tout de suite, bien entendu. Ça, on va tirer ça sur tout le jeu, ou bien les trois quarts du jeu. On sera au dernier quart tout ce qui se passe. What? What? Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Non, j'en ai marre qu'ils mettent ça, mode photo là, ça gâche l'écran. About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not off our corner. Il y a Anguille sous roche. Est-ce que... Alors, théorie de début de Let's Play. Est-ce que Rose a des résidus de ce qui s'est passé en Louisiane, là, de la famille Baker, etc. Parce que, ça se trouve, elle est contaminée par le sang. Or, ça me fait largement penser au truc de R7. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winter et Ethan Winter. Transporter les Winter jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront l'accompagner. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est exactement ça. En fait, Mia avait toujours une partie d'elle qui était contaminée par le sang de Evelyn. La petite Evelyn. La mignonne toute petite Evelyn. Et du coup, en faisant l'amour et en ayant un enfant... Eh ben, ils ont transmis le virus à Rose, et donc ils ont décidé d'abattre Mia. Alors, théorie, je pense que Mia est vivante. Je ne sais absolument rien du jeu, je ne sais presque rien du jeu, mis à part ce qui a été montré dans la bande-annonce. Je n'ai pas vu de spoiler ou quoi que ce soit, mais je pense que Mia est en vie. Je sais ça, ça peut paraître fou, mais mettons ça dans un coin de notre tête. Mia est en vie... Rose a été prise pour cible parce qu'elle a le sang contaminé de Evelyn de Resident Evil 7. Et puis voilà, bon. On a assez parlé de ça, on va profiter un peu de l'ambiance et des décors magnifiques. La neige, tu devrais être dans ton environnement, hein, Ethan Winter. Hein, Winter. Ah putain. Bon, au passage... je pense que vous avez dû le remarquer, mais les graphismes sont un peu limités sur mon PC. C'est dû à la puissance de mon ordinateur. Je n'ai pas quelque chose de trop fort. Ok, quelqu'un a déjà tué les corbeaux. Normalement, c'est moi qui les tue, hein. Personne d'autre. Donc oui, j'ai pas une grosse puissance. Ok, on va s'en aller. Donc malheureusement, j'ai pas une grosse carte graphique, ni un gros processeur, etc. Donc vous devrez vous y faire. Et je n'ai pas suffisamment d'argent pour m'en acheter, pour l'instant. Mais après, si vous voulez me soutenir, n'hésitez surtout pas, parce que vous avez ma page Tipeee et Utip qui sont à votre disposition. Enfin, si vous avez envie, bien entendu, vous n'êtes forcé de rien. Et puis sinon, si vous voulez me soutenir autrement, vous pouvez liker la vidéo, des bugs de texture, liker la vidéo ou la partager. Ou vous abonner à ma chaîne aussi, ça m'aidera, quoi qu'il arrive, dans mon avancée sur ma chaîne. Et potentiellement m'acheter des trucs à l'avenir. Bon, une cabane dans les bois. Je crois savoir ce qui va se passer, j'ai vu, il me semble, ce passage dans une bande-annonce. Enfin, un passage qui ressemblait à ça. Ok. Prends une corde, on sait jamais, ça peut toujours servir. Une plante verte un peu... Oh. C'est le même modèle, exactement le même modèle que dans RE7. Pas d'eau.
Ah non, c'est très gentil de ta part, Ethan. Au moins, t'empêches de faire du gaspillage d'eau. C'est très bien. Il faut vraiment que je règle ce souci de... comment ça s'appelle? De sensibilité de souris. Ok, bon. Il y a une lanterne, très bien. Est-ce que je peux prendre la lanterne? Non, de toute façon, ça sert à rien, j'ai une lampe torche. Ah là là. Allez, hop. Qui est là? S'il vous plaît. J'aimerais vous voir. Oui, j'aimerais la mettre à l'endroit, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, sympa. Sympa. Une magnifique image. Qui est là? Oh, oh. Putain, ouais, la sensibilité. Oh, je sens que je vais pas aimer ce qu'il y a dedans. Un balai, putain, ça y est, un balai. C'est bon, on a la première arme du jeu, les amis. La première arme du jeu, un balai, putain. Non, je déconne. Ok. Nettoyage de printemps? J'imagine. Allez. Wow, ok. Ok. Bon. Allez. Allez, rampe. Rampe, Ethan. Il y avait du sang. Oh. Dégoûtant. Dégoûtant. What did all this? Oh, ça doit être un gros chat. Ou un gros chien. L'un des deux. Et soudainement, il fait jour. Ok, on a passé... pas mal de temps dans cette maison. D'accord. Bon. Il n'y avait rien là-bas, ça ne sert à rien de s'attarder. Allons-y, continuons. Il y a des choses que je suis très impatient de voir dans ce jeu. Where the hell am I? Ok. Ah, par contre, j'espère qu'on aura des points de sauvegarde fixes. Parce que j'ai pas envie d'avoir que des points de sauvegarde automatiques. Pour un Let's Player, c'est pas terrible, les points de sauvegarde automatiques. Ok. Un cheval mort. Très bien, c'est très une bonne ambiance, là. Je vous préviens, si on rencontre un ennemi sans que j'ai quoi que ce soit pour me défendre, je pète un câble. Je suis sûr que ça va arriver, mais donc je vais péter un câble, mais s'il vous plaît, ne le faites pas, j'aimerais avoir de quoi me défendre, au moins un petit pistolet, même un pistolet avec une balle, je serais déjà un peu plus rassuré. C'est quoi tout ça, on doit tout explorer? Attendez, wow, ça fait déjà beaucoup. Alors il me semble, de ce que j'ai compris, ce Resident Evil, alors sans être un monde ouvert, va être quelque chose où on va pouvoir faire... plus d'exploration. Donc exploration et l'environnement sera vraiment mis en avant. Bordel de merde, vous me faites ouvrir des trucs et il y a rien. Franchement, foutez-moi un objet même, je sais pas, une poudre ou un morceau de ferraille ou un bout de bois à transporter pour aller le mettre je ne sais où. La vache. Oh la vache. What happened? Oh mon dieu, mais il y a tant de choses. Il y a tant de choses à explorer, c'est... Alors, quelque chose me dit que notre objectif sera là. Mais... alors, verrouiller. On va fouiller, au cas où, on va fouiller. En tout cas, la déco est très tendance. J'adore les têtes de chèvre pendues dans le vide, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'aurais aimé le faire chez moi, si j'en avais l'occasion, mais malheureusement, je n'ai pas de chèvre. Bon, ici, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, juste un véhicule qui me bloque le passage. Très bien. Là, on en vient. Donc, c'était effectivement là-bas qu'il fallait aller. Très bien. Au moins, on est fixé, on est sûr. Je devrais voir quand même si je peux pas augmenter légèrement les textures. Moi, le rendu des textures, parce que là... c'est un peu limite. On va voir si le jeu rame déjà avec ça. Je fais des tests de mon côté. Oh, il y a une caisse. C'est-à-dire qu'on va bientôt avoir un couteau. Yes! Finally! Premier soin. Ah! Généralement, quand ils t'offrent un couteau et un premier soin, ça veut dire que... tu vas en chier, mon coco. Did they just
run out of the house? Oui. Bon. Très bien. Très bien. Est-ce que vous auriez un petit... à une petite pointe de sauvegarde? À une tout petit? Ok, c'est... Putain. Normalement, j'aurais dû prendre un bras avec ça. Who sent you? Nobody. There was an accident down the road. What's going on? Oh no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Dites-moi que vous en avez un à me prêter. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des munitions? Ok. C'est là que les emmerdes commencent. Il devait être à fond. Oh putain. Oh la vache. Ok. Dead body. Plein de cadavres. There's more. Ok. Yeah, quand même, il nous a filé des munitions. Allez, qui es-tu, toi? Tu es vivant? Jesus Christ. Et ben dis donc. What the hell is wrong with this place? Là-bas, je le vois. Oh putain. Ah putain, il m'a mordu, 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 il m'a mordu. Oh non, mais c'est pas possible. Mais non, mais non, mais non, mais genre. Mais genre. Mais genre, encore. Mais vous le faites exprès, Capcom. Non mais vous le faites exprès. Putain, 10 balles et il est toujours pas mort. Aïe. Bordel de merde. Oh putain, j'ai dû gâcher des balles. J'ai dû gâcher 2-3 balles. What the hell? La vache. Dites-moi qu'ils ont... Ok, coup de boulon, ça j'aime bien. Ça j'aime très bien. Très très bien. Ok, par contre, je n'ai plus beaucoup de place dans mon inventaire. Fluide chimique, ok. Donc, j'ai fait un peu les deux démos qui étaient sur PC. Et sur PS4, du coup. Donc, je sais à peu près à quoi m'en tenir en termes de création d'objets, etc. Coupoulon, hop là, allez. Quelque chose me dit que je vais devoir courir. Oh putain, mais non, munitions, s'il vous plaît. Ok, attendez. Avant de prendre l'appel, je vais prendre des munitions. Voilà. Ah non, c'est d'accord, c'est juste une radio comme ça. Okay. D'accord, on peut se barricader. Et on peut plus redescendre, c'est ça? Ok. Merde.
Oh, ça y est, ça commence, c'est la panique, c'est la panique. Je suis censé faire quoi là? Aïe! Ok. Ok, dites-moi qu'il y a d'autres munitions. Plante verte, ok. Est-ce que... Oui... Merci! Bon, par contre, je pense que... Parce que c'est vrai, les ennemis peuvent dropper des objets, c'est vrai. Ok. Ok. Ok, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Oui! S'il vous plaît! Très bien! Très bien, c'est noté. Des survivants. Ok, Ok, on va... Oh, bon. Ok, c'est bon, tout va bien. Bon. Fouillons un peu les environs. En quête d'items. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Bon. Ranelli, au bout d'un moment... Dans un survival horror, donc du coup, il va falloir économiser ses balles et courir. La queue entre ses jambes. Ok. Oh putain, merci! Merci beaucoup. Maintenant, survivre à l'assaut? Vous êtes sérieux? Déjà? Mais je viens à peine de commencer, vous me demandez déjà de survivre en assaut? Ah, putain. Non. Putain. Yes! There's no end to them. Oh putain! Yes! Ok, dites-moi que j'ai de quoi faire des munitions de pistolet, merci! Putain, je me retrouve sans munitions! Aïe! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? What the fuck? What? What? Je comprends rien. Faut que j'avance, c'est ça? Oh putain. Oh la vache! J'aime pas ça. Ok, va attendre. Ah putain! Non. Non, j'aime. Je veux pas. Ok, j'avais pas compris qu'il fallait fuir. Ok, de ce côté-là? Ok. Bon, au moins j'ai récupéré quelques précieuses munitions. Ok, d'accord. C'est verrouillé. Ok. Ah! Mais genre! What? Qu'est-ce que c'est ça? Je suis mort? Non? Ah, moi, c'est... à moins que ce soit scripté. D'accord, putain, d'accord, c'est scripté.
D'accord, ok. Putain, si j'avais su, j'aurais économisé un peu plus de munitions. Wow, putain. C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Ok. Bonjour. Vous avez l'air très intelligent, monsieur. Ah, c'est comme Resident Evil 4. De toute façon, ce jeu, j'ai l'impression que c'est fortement, très fortement inspiré de Resident Evil 4. Putain, mais tu prends cher dès le début, toi. Hein. Oh, cette fois-ci, ça repoussera pas comme ton, comme ta main. Enfin, elle a été refixée, mais bon. Oh, putain. Quelque chose me dit qu'avec la morsure, il s'est transformé en lycan. Bonjour, madame. Oh, putain. Allez. Bon, Ethan. Faire le point sur la situation. La situation est grave, mais elle est pas désespérée. Pas entièrement. Eh ben, allons voir la madame. Elle a l'air gentille, la madame. Très gentille. Ok, on rejoint la démo. In life and in death, we give glory. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. What the hell? Hey, can you hear me? It's you, the child's father. Oui. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose! Okay. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Rose is here? Ok, bon, la madame, elle a l'air de pas être très bien dans sa tête, donc on va pas trop y prêter attention. Hein. On a un nouvel endroit à explorer, très bien, explorons les amis, explorons. Et fluide chimique, très bien, je prends tout, toutes vos possessions, elles sont à moi. Alors, est-ce que ça va être exactement comme dans la démo, ou bien est-ce qu'il va y avoir des petites variations? Parce que je me souviens que certaines démos de Capcom diffère un tout petit peu, mais juste un tout petit peu du produit final. Putain, c'est tellement cool. C'est tellement cool, on a tellement de choses à explorer. Je vais m'y perdre dans ce village. Vous allez voir. Je me demande quand est-ce qu'on va débloquer le marchand aussi. Parce qu'il y a un marchand dans ce jeu. C'est trop cool parce que... C'est le retour d'un système que j'adore dans les Resident Evil. Enfin, dans le 4 au moins. Par contre, j'espère qu'il y a des sauvegardes. Moi c'est cool, j'ai rejoint la partie de la démo. Alors après ce que j'ai fait quand j'ai joué à la démo, j'ai sauté toutes les cinématiques aussi. Donc enfin, mis à part celle-là avec la vieille. Mais sinon je les ai toutes sautées. Pour éviter de me spoiler quoi que ce soit. En concernant l'histoire ou autre. Je me suis spoilé certains ennemis seulement. Mais ça, c'est pas trop grave. De toute façon les ennemis je les ai vus. Si la caméra s'abat sur le visage, cherchez les morceaux de relief. L'un se trouve dans l'église, l'autre a été confié à Louisia. Ok. Who is Louisia? Ah si, c'est... J'ai été écouté, on a des machines à écrire, yes, le classique du Resident Evil, et ça va me permettre d'achever cette vidéo ici, je le refais, sauvegarder à nouveau. Bon,
Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un j'aime ou un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi j'ai en tout cas très hâte de continuer. Je suis content de jouer à ce jeu. Ça commence bien. Je vais voir si je peux booster un tout petit peu les graphismes histoire que les textures s'affichent mieux. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une nouvelle partie pour tester ça, voir si ça marche. N'hésitez pas non plus, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, à partager la vidéo aussi si vous l'avez appréciée pour me faire découvrir un peu. N'hésitez pas non plus à visiter mes pages Twitter pour me suivre. Je stream aussi de temps en temps sur Twitch. Et n'hésitez pas non plus à, si vous avez envie de me faire un petit don, à aller sur mes pages Tipeee et Utip qui sont à votre disposition dans les descriptions. Merci encore et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !